When you watch a movie or a TV show that is set in France, do you ever notice how old the buildings are? If you've been lucky enough to visit, you've likely seen it for yourself. There are old buildings everywhere. Of course, France has a rich history. But what surprises many visitors is that we almost never tear down an old building, even when they're in the way of a new development. In today's presentation, which is entirely in French, I will tell you a little bit more about how and why we preserve old buildings in France. This way you can learn a little bit more about French culture while improving your oral comprehension at the same time. C'est parti! En France, la préservation et le respect des bâtiments historiques sont au cœur de notre identité culturelle. Dans tout le pays, il est courant de voir des monuments antiques et des habitations du Moyen Âge. Notre patrimoine est sauvegardé par des règles et des institutions spécifiques. Lorsqu'il est nécessaire d'effectuer des travaux, l'objectif est toujours de conserver le caractère historique du bâtiment. Par exemple, la cathédrale Notre-Dame de Paris a été gravement endommagée par un incendie en 2019. Depuis cet événement tragique, une restauration minutieuse a été entreprise en respectant les matériaux d'origine, en utilisant des pierres et du bois provenant des mêmes carrières et forêts que lors de sa construction initiale. D'un autre côté, les villes françaises ont connu de nombreuses transformations au fil des époques. Au 19e siècle, le baron Haussmann a supervisé la démolition d'une grande partie de l'ancien Paris pour faire place à de larges boulevards et à des immeubles élégants qui portent désormais son nom. Le style haussmannien qui a été développé à cette époque est désormais synonyme du charme de la capitale. Cependant, certains changements n'ont pas été aussi bien accueillis. Par exemple, de nombreux logements construits ou reconstruits après 1945 sont dotés de façades en béton grise, bon marché et peu attrayantes. Les gratte-ciels, construits dans les années 1970, comme la tour Montparnasse, ont également été critiqués. Ces expériences ont renforcé l'engagement des Français envers la préservation de leur patrimoine. Aujourd'hui, les bâtiments historiques sont protégés non seulement pour leur valeur esthétique, mais aussi pour leur importance sentimentale. Tout comme dans certaines villes d'Amérique et d'ailleurs, il est difficile de construire de nouveaux logements en centre-ville qui répondent aux critères d'urbanisme stricts. De plus, notre patrimoine historique est une ressource précieuse pour l'économie. Il attire les touristes et les visiteurs. Il ne serait même pas rentable de détruire ces bâtiments pour construire du neuf. En outre, cette approche de conservation est en accord avec les préoccupations écologiques des Français qui préfèrent voir des bâtiments historiques suivre une rénovation respectueuse de l'environnement plutôt que la construction potentiellement polluante des nouveaux immeubles. Now, let's quickly review some of today's French vocabulary. Did you manage to hear the words that I used? Did you learn some new words and expressions in French? Let's recap and pick a few interesting expressions as well. I am going to review some of these, but before we dive in, you should know that today's lesson with the written scripts and subtitles are available on my website. You will find it in today's blog post as well as some resources and extra thoughts about the topic of today. And there is a lot of these this week because history and architecture are fascinating. It's all free, you can find the link in the description below the video. But for now, let's talk about l'immobilier, real estate. Yes, l'immobilier. Today's lesson is full of synonyms for un bâtiment, which is a building. Un bâtiment. You have une maison, which is a house. Une maison. Une habitation. Une habitation is a home or a dwelling. Une habitation.
un immeuble, which is an apartment building, un immeuble. We have une tour, which is a tower, une tour, or even un gratte-ciel, which is a skyscraper, un gratte-ciel. By the way, real estate professionals often work in une agence immobilière, a real estate agency, and they are un agent immobilier, a real estate agent, un agent immobilier. Of course, we mentioned le patrimoine, which is our word for heritage, le patrimoine. This is an important word in French culture. For instance, these heritage sites are open for visitors on les journées du patrimoine, the heritage days. Les journées du patrimoine. They happen every year in September. A fun fact that I like to share is that since patrimoine, patrimoine, comes from the root for father, some feminist women are now setting up the concept of le matrimoine, which is everything we received from our long lines of mothers and grandmothers up to this day. To come back to real estate vocabulary, le béton is concrete. Le béton, le béton. Une carrière, that we saw for Notre-Dame. Une carrière can mean both a career and a quarry. Career at work and quarry for stones. Une carrière. And des travaux, handiwork, des travaux. It can also mean house renovation is always in the plural. Des travaux is something that you do for your house, for your home, for your apartment. Un travail in the singular form is a job in French. And in everyday spoken French, un travail is un boulot, un boulot. Finally, I would like to look at two expressions with general applications. We have d'un autre côté, literally from another side, which means on the other hand, d'un autre côté. Very useful to articulate sentences. And en outre, this one is a little bit more formal, but perfect for this presentation. En outre, it means furthermore or in addition. It is a bit formal again. En outre, en outre. And now you can follow the whole video with the transcript from my blog post. You can come back to the beginning of the video and see if you can better hear the words and expressions that I used. Or you can keep learning about everyday spoken French with French words that French people actually never use. Click on your screen right here and I will see you in the next video. Allez, à tout de suite!